Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Batman. Alors, comme d'habitude, je vous propose une nouvelle énigme aujourd'hui. Donc, nous sommes le 3 novembre. Je vous propose la septième énigme aujourd'hui qui s'appelle Rencontre entre amis et qui est extraite du livre Récréamat et Énigmes et jeux mathématiques que je vous conseille fortement. Je vous ai mis un lien dans la description si vous voulez vous le procurer. Alors, je vous préviens tout de suite, celle-là, il va falloir beaucoup vous gratter le menton pour la trouver. J'ai moi-même griffonné pas mal de papiers avant de la trouver. La voici. Deux mathématiciens russes sont dans un avion. Vous avez trois fils, me semble-t-il. Quel âge ont-ils maintenant? Demande Ivan. Oui, j'ai trois fils. Le produit de leur âge est 36. Et la somme de leur âge est la date exacte d'aujourd'hui, répond Igor. Je suis désolé, Igor, mais cela ne me donne pas les âges de vos fils, explique Ivan après un temps de réflexion. Ah, j'ai oublié de vous dire que le plus jeune a des cheveux roux. Ah, c'est plus clair maintenant. Je connais donc l'âge de vos fils. Maintenant, conclut Ivan. Comment Ivan a pu trouver les âges des fils d'Igor? Alors, vous connaissez la chanson, mettez pause sur la vidéo, prenez un papier, un crayon. Et grattez-vous pas mal le menton, parce que celle-là, il va falloir bien soigner les détails pour la trouver. Bon, alors maintenant, j'estime que vous avez mis pause, même, voire arrêté la vidéo, vous êtes gratté le menton pendant plusieurs jours, peut-être pas, mais peut-être quelques heures au moins. Et donc maintenant, je vais vous dévoiler la réponse, parce que. Peut-être que à tâtons, peut-être avec un peu de bol, vous l'avez trouvé, mais pour être certain de l'avoir trouvé, croyez-moi, il a fallu beaucoup se gratter le menton. Alors, il existe exactement 8 possibilités pour que le produit des trois âges soit 36. Donc, voici ces 8 possibilités. Et lorsqu'on regarde ce tableau, c'est normalement, hein, dans la blague, enfin dans l'histoire, c'est ce que Ivan a dû faire mentalement. Ça m'étonnerait quand même, mais voilà, c'est ce qu'il a pu faire, et c'est ce que moi-même j'avais fait lorsque j'ai essayé de résoudre l'énigme. Et là, il y a quelque chose que vous devez remarquer, et ça, honnêtement, je l'avais pas vu au premier coup d'œil, enfin, j'avais pas fait attention à ce détail-là, mais le détail précis, c'est que pour la somme, vous regardez la dernière colonne, eh bien, il y a deux nombres qui apparaissent, enfin, il y a un nombre qui apparaît deux fois, c'est le nombre 13. Et en fait, c'est ces deux lignes-là qu'il va falloir éluder. Et c'est là que la dernière information que donne, je crois que c'est Igor qui s'appelle, ouais, c'est ça. C'est la dernière information que donne Igor permet de déduire. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, Ivan, il dit, je ne peux pas conclure parce qu'il y a deux possibilités pour que la somme soit égale à 13. Et c'est grâce à l'information supplémentaire. Alors Ivan, il n'a pas pu trouver la réponse en connaissant la somme des trois nombres. La date du jour de leur rencontre, parce que le nombre 13, eh bien, a deux possibilités. Donc, si on regarde le tableau, soit il y a un fils de 1 an et deux fils de 6 ans, soit il y a deux fils de 2 ans et un fils de 9 ans. Et en fait, quand l'autre il lui dit, je sais plus où c'est, le plus jeune a les cheveux roux, s'il parle du plus jeune, ça veut dire forcément qu'il n'y a qu'un seul Benjamin, qu'il ne peut pas y en avoir deux. Donc, forcément, on doit exclure la possibilité où il a deux enfants de 2 ans. Et un de 9 ans. Parce que sinon, il n'aurait pas pu dire le plus jeune, puisqu'ils auraient été les plus jeunes. Et donc, c'est ça qui nous permet de conclure qu'en fait, il a un enfant de 1 an et deux enfants de 6 ans. Donc, l'information donnée sur le plus jeune des fils implique que l'une des deux possibilités peut être éliminée, le fils de 9 ans et les deux autres de 2 ans, car il n'y a pas de cas, il n'y a pas dans ce cas de Benjamin. Igor a donc un fils de 1 an et des jumeaux de 6 ans. Voilà, alors celle-là était vraiment, voilà, fallait bien se gratter le menton pour la trouver. C'était bien subtil, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à demain pour une prochaine énigme. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. Et d'ici là, grattez-vous bien le menton.